Bonjour. Aujourd'hui, quand ça tombe, ça tombe. Le bureau des vérificateurs d'infos. De qui ? De Pierre-Yves Noël. Merci. Alerte info. En 1959, lors d'un puissant orage, un pilote a été éjecté par son avion en Caroline du Sud. Il reste le seul depuis à avoir chuté pendant 45 minutes avant de toucher le sol sans égratignure. Nous allons vérifier tout de suite cette info avec notre correspondant Nicolas Ségosille. Bonjour Nicolas, vous êtes où ? Vous le savez pas ? Eh non ? Eh ben je vais vous le dire. Je suis à Jvelpandre au Croc du Boucher City. Et je peux vous dire qu'il y a du monde, hein. Alors Nicolas, confirmez-vous cette info, BVI ? Bah oui et non. Le gars qui est tombé et tout ça, là. Ça c'est vrai, mais qu'il soit le seul, là je dis non. Moi j'en connais un autre qui a chuté et qui s'est écrasé comme un petit Suisse. Et pas pendant 45 minutes, non, pendant un an. C'est Jean-François Copé. Son orage big machin chouette, là, l'a secoué comme une coccinelle sous la patte d'un éléphant. Moi, je sais, j'ai tout vu. Il y a eu beau avoir un parachute des Républicains, à l'atterrissage, il s'est fait quelques claquages au niveau du crâne. J'ai entendu dire même qu'il n'avait plus toute sa tête, qu'il voudrait devenir président de la République. C'est vous dire s'il est tapé de la cafetière, hein. Eh bien, merci Nicolas d'avoir validé en partie l'info BVI du jour, et à bientôt. Mais de rien. Au fait, mon cher Pierre-Yves Noël, vous connaissez pas la dernière ? Il y a plus d'une dizaine de candidats à la primaire des Républicains. Ah, ça, c'est la démocratie, monsieur Ségosille. Ah non, non. Moi, j'appelle ça une épidémie. Le BVI, ils ne prendront jamais aucun risque. Sauf celui de vous faire rire.